C'est dans quel dossier? Regardons celui qui s'appelle Backstage. When music speaks, I can't help listening. I share my joy through the riff of a guitar string. Maintenant, on a la preuve que ce sont eux qui ont tourné le clip. Vous savez ce que ça signifie tout ça? Que c'est vrai que la caméra rajoute quelques kilos? Oh, mais je rêve, ce sont eux qui chantent, Samantha! C'est évident, j'allais le dire! Et pourquoi ils n'ont voulu le dire à personne? Eh bien, j'imagine que c'est à cause d'une certaine jeune fille qui ne voulait pas que son petit papounet soit au courant. J'y crois pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Sam ne retrouve pas son PC. Peut-être que Nina l'a rangé quelque part. Ou un petit oiseau l'a emporté. Ouais, une pivoleuse qui aime les objets qui brillent. Hé, hey, vous là, qu'est-ce que vous faites? Salut le petit intello, en voilà un backstage intéressant. Et rends-le-moi tout de suite. Non, un aussi beau clip doit être partagé. Non. Bye bye, c'est envoyé. Elle l'a envoyé sur le réseau du lycée. Si on la bloque pas, ton père va la voir. Qu'est-ce que vous faites? Il est interdit de courir Papa, dans les couloirs. J'ai quelque chose à te dire. C'est pas le moment. Vous devez aller en cours. Mais c'est très important. Emma, n'insiste pas. On en parlera plus tard. Allez en classe et sans courir. Vous tous. La première chose qu'il va faire, c'est allumer son ordi. Il va forcément la voir. Il faut qu'on pense à quelque chose et vite. Nina. Alex. Nina, on a besoin de votre aide. Et moi de prendre des vacances. En fait, il faudrait seulement distraire le proviseur un petit moment. Oui. Et pourquoi j'organiserais pas aussi une petite éclipse solaire? Mais tu crois que je peux entrer dans son bureau comme ça et le distraire? Mais laissez-nous vous expliquer. Tu peux m'expliquer ce que tu veux, mais il est hors de question que j'y aille, c'est clair? Merci, c'est parfait comme ça. Oh non, pas tant que ça. Regardez plutôt toutes ces traces. Je vous l'avais pourtant dit que cette entreprise n'était pas sérieuse. Ça me semble pourtant très propre. Il serait peut-être temps d'aller voir un ophtalmo, monsieur le proviseur. Nina, je vous en prie, sortez de mon bureau. Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Non. Comment ça, non? Non, parce que je dois vous demander quelque chose de très important. En fait, j'ai besoin d'une augmentation. C'est hors de question. Parfait, mais j'ai besoin d'une permission pour une visite médicale. Mais très bien, pas de problème. Prenez toutes les permissions dont vous avez besoin. Maintenant, je vous en prie, laissez-moi travailler. Vous m'accordez comme ça? Oui. Sans discuter? Sans discuter. Mais d'habitude, il faut toujours discuter avec vous avant. Pour une fois, je ne discute pas. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai quelque chose de très important à vous dire, monsieur le proviseur. Je crois que je suis tombée amoureuse de vous. Hein? Alors, tu vas arriver à retirer la vidéo du réseau? Oui, mais il faut voir combien de temps Nina va pouvoir l'occuper. Au fond, je sais que nous appartenons à deux mondes différents, mais je pense qu'entre nous, ça pourrait fonctionner. Non, oh, je ne sais pas. Vous avez des préjugés? Non, non. Avouez le Ferrari, vous pensez que je ne suis pas assez bien pour vous? Non. Non, oh, oh, non, vraiment, pas besoin de vous donner des grands airs. Je parie que vous ne connaissez pas la capitale de l'Estonie. Tallinn. C'est ça. Ouais. Effacé. C'est parfait. Il faut qu'on prévienne Nina. J'y vais, si vous voulez. Nina, je peux savoir ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous n'êtes quand même pas sérieuse, hein? Vous savez que vous êtes bel homme. Ça ne doit pas vous surprendre. Et puis, ne dites pas que vous ne vous étiez rendu compte de rien. Non. C'est de votre faute, avec les magnifiques discours que vous faites à la remise des diplômes. Je peux m'excuser, si vous voulez. Je suis désolée. Non, 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 non. Non, vous n'avez pas à vous excuser. Je voulais dire que, allez, c'était une blague, hein? Désolée, c'est que vous avez toujours l'air si triste, si sombre, toujours en train de travailler. Je me suis dit, mais oui, je sais, je vais le faire rire un peu. Au revoir.